أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs, aujourd'hui on va parler en langue française seulement. Ce message très important, on va prendre quelques minutes pour expliquer en français. Et surtout les jeunes, surtout nos enfants, surtout nos sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, on va commencer le message très important. Inch'Allah Ta'ala. Et je demande... pour me donner une minute ou deux minutes comme ça pour partager le vidéo. Je partageais la vidéo. Mes frères et sœurs, je demande des excuses d'une minute ou deux minutes. Comme ça, je partage la vidéo. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam, je vis vos messages de salam. Si quelqu'un il a dit assalamu alaykoum, il faut répondre, tu dis wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour dire assalamu alaykoum, pour saluer quelqu'un musulman, et tu dis assalamu alaykoum, c'est sunnah. Mais pour la réponse, c'est obligatoire. C'est pas sunnah, c'est obligatoire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Si quelqu'un il te salue le salam de l'islam, il a dit assalamu alaykum, il faut que tu répondes. C'est obligatoire que tu répondes. C'est obligatoire. C'est pas sunnah de répondre, mais c'est sunnah pour dire salam. Mais pour répondre, c'est obligatoire. Si quelqu'un il a dit assalamu alaykum et toi tu ne réponds pas, ça veut dire que tu vas gagner du péché. Tu vas gagner du péché parce que c'est obligatoire pour répondre le salam. Mes frères et sœurs, on va commencer maintenant le darasa. On va commencer maintenant, alhamdulillah, rabbil alamin. On va commencer maintenant, inshallah ta'ala, biiznil mawla jalla wa ala. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأدنى وأبغض وكره وأحب وأمرض وداوى وشفى وطب سبحانه عم إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر ضب أحمده وأشكره على إيمان في القلوب صب ومن عجب عجيب لمربوب يجحد الرب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله المسمى الامين صغيرا وما شب ثم قهر الاعداء فالبسهم الزنار والقب واجيب عنه لكل من عابه وسب تبت يدا ابي لهب وتب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وكل التابعين وتابعي التابعين وكل من مشى لاهل الدين ولاجل الدين كل من مشى لاجل الدين ورجليه دب فدب اما بعد اخواني في الله مفرير اسر louange Allah subhanahu wa ta'ala, louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Mes frères et sœurs, on va vous donner message de cinq choses. On va vous donner message de cinq choses. Préparez-vous et concentrez bien. On va prendre quelques minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais pas plus d'une heure de temps. Mais pas plus d'une heure de temps, non, pas plus d'une heure de temps. On va prendre quelques minutes pour vous expliquer des messages très importants. On va dire, Yabna Adam. احبب من شئت عش ما شئت فانك ميت première chose on va traduire عش ما شئت فانك ميت deuxième chose احبب من شئت فانك مفارقه troisième chose اعمل ما شئت فانك مجزي به Quatrième chose. اعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. Cinquième chose. واعلم ان الغنى غنى النفس. واعلم ان الغنى غنى النفس. Aujourd'hui, on a dit que ce message en français, c'est pas notre darasa qui on fait ce soir ou après-midi. Aujourd'hui, il n'y a pas de darasa. De langue comorienne. Aujourd'hui, on a dit que ce message est français seulement, surtout pour les jeunes, pour nos enfants français qui parlent en France, et même les mamans qui parlent en France. Et aujourd'hui, il n'y a pas de darasa à 19h, il n'y a pas aujourd'hui. Et le darasa à 20h ou 22h, il n'y a pas aujourd'hui. L'épisode, c'est demain. Mais aujourd'hui, ce message spécial seulement maintenant, après la prière de Zuhur. C'est maintenant seulement. Et on va commencer de cinq choses. Écoutez bien les quatre choses. Et avant de parler de ces quatre choses, Mashallah, félicitations, Yanni, félicitations, le petit bébé, parce que moi je savais pas avant que le bébé qui naît, il y a le bébé qui est né en France, le bébé qui est né en France, le bébé français qui est né, le date de naissance, c'est le 14 juillet. Il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de programmes. Ça veut dire qu'il va gagner 1500 par un an. En plus, plus les droits, en plus les parents, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas. Aujourd'hui, que je sais tout ça. Moi, je ne savais pas qu'en France... Si tu es français, il y a le bébé en France, il y a le date de naissance, c'est le 14 juillet, le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance en France, ça veut dire si le date de naissance c'est même jour, ça veut dire le bébé il va gagner beaucoup de choses. Moi je ne savais pas, mais c'est aujourd'hui que je sais ça. Les gens vont déjà recevoir le message aujourd'hui que félicitations. Moi je dis pourquoi félicitations. Félicitations parce que vos bébés, vos naissances c'est le 14 juillet. Vos bébés c'est le date de naissance, c'est le 14 juillet. Alors si le 14 juillet ça veut dire quoi? Tu dis félicitations, alhamdoulilah félicitations. Mais il y a de quoi?
Yani, je recevoir le message sans dire non, félicitations plus, parce que tous les enfants en France qui naissent, les dates de naissance, c'est le 14 juillet, ça veut dire qu'il a beaucoup d'intérêts, il a beaucoup de il a beaucoup de choses. Yani, il a beaucoup de choses. Première chose, ça veut dire le bébé il va gagner 1400 euros par an. Chaque an, il va gagner 1400. Ça veut dire tout, ça, tout avant le 14 juillet, il faut gagner 1400. Ça veut dire que le bébé va gagner ça. 1400. Moi, je ne savais pas ça. En même temps, il y a le droit des enfants. Il y a le droit des enfants. En même temps, si son père n'a pas de travail, il va gagner beaucoup de choses. Il va gagner beaucoup de choses. Et moi, je reçois des messages. Moi, je ne savais pas. Ils ont dit que non. Même les parents ne travaillent pas. Mais il y a deux chances. Il y a beaucoup de chances. En même temps, il y a plus les droits des enfants. C'est autre chose, les droits. Mais à cause du 14 juillet, il y a deux choses, beaucoup, que vous avez gagné. Moi, je savais pas ça. Mashallah, alhamdulillah. Regarde la puissance de Dieu. Regarde le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, c'est وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ngabo mrikangu ni parubani na singa siyari madara saan direct iyo ndi mana bukonga ni mtawani sama uka ngabo nruenji wanipara o harima e telefona ilia deja, désolé j'ai oublié je parle en vlan komore mais aujourd'hui c'est le daras en langue française. Il y a des gens qui m'appelaient dans le numéro 0753. Il y a des gens qui m'appellent dans mon numéro. Beaucoup de gens, j'ai déjà vu. 0753 45 21 42. Mais je suis occupé. Je suis en direct. Je suis en direct. On fait le daras. Et à cause de ça, moi, je réponds pas. Mes frères et soeurs, je demande des excuses. J'ai beaucoup de gens. J'ai déjà vu, j'ai déjà reçu. Depuis matin, beaucoup de gens m'appellent. Mais au matin, je suis fatigué. J'ai déjà fait dodo. Je devais dormir. Et Inch'Allah Ta'ala, maintenant, on va commencer le darasa. Et je demande les gens qui m'appellent pour arrêter, parce qu'il y a déjà qui m'appelle dans le numéro de téléphone 07 53 45 21 42, ils sont appelés maintenant, même je suis en ligne, je suis en direct, il faut arrêter un peu. Quand après le dara, ça va, tu peux appeler, mais maintenant non, appelle maintenant non. Fa Inch'Allah Ta'ala, je dis, Mashallah, yani, je dis félicitations, maman, félicitations, ma femme, alhamdulillah, félicitations. Félicitations beaucoup et félicitations Soumaya, ton frère, Mashallah, yani, Mashallah, en France, ça veut dire, Mashallah, date de naissance le 14 juillet, le jour de l'indépendance, beaucoup de. Moi, je ne savais pas, alhamdulillah. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui fait tout ça, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui donne la chance, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui donne la chance, ça c'est. Pas besoin de jaloux, hein, pas besoin de choquer et chauffer. Il y a des gens qui vont choquer, il y a des gens qui vont parler n'importe quoi. Il y a des gens qui vont. Yani, il y a des gens qui vont choquer, il y a des gens qui vont. Les gens de mauvais oeil, hein, les gens de mauvais cœur, ils vont choquer, ils vont dire, ah, pourquoi tu dis ça? Oui, c'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Moi, je recevais le message aujourd'hui, il faut que je dis Alhamdulillah. Quand je recevoir le message aujourd'hui, et moi je sais, alhamdoulillah, je suis content, parce que moi je ne savais pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne ça, alhamdoulillah, rabbil alamin, il faut que je dise alhamdoulillah, et moi je dis quoi, je dis alhamdoulillah, moi je ne savais pas, qu'il y a beaucoup de chances, si, alhamdoulillah, si, mashallah, alhamdoulillah, rabbil alamin, c'est ça, on dit qu'il faut beaucoup de confiance à Allah, il faut beaucoup de confiance à Allah, tu sais, si tu as beaucoup de confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va te donner beaucoup de choses, il va te donner beaucoup. On a besoin de confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes frères et sœurs, on va vous donner un message très important maintenant de 5 choses. Première chose, parce que et le ange Jibril, alayhi salam, le ange Jibril, il vient, il parle avec notre prophète Mohammed sallam à 2-5 choses. Le ange Jibril, alayhi salam, il vient devant prophète Mohammed sallallahu alayhi salam pour dire 5 choses. On a besoin de prendre 5 choses. On a besoin de prendre ces 5 choses. On a besoin de prendre de 5 choses très 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 importantes. Première chose, عش ما شئت فإنك ميت. Oh mon frère, ma soeur, ma mère, mon camarade, عش ما شئت فإنك ميت.
عش مشيت فإنك ميت. Vive comme tu veux. 50 ans, 100 ans, 200 ans, reste ici dans ce bas monde, reste ici dans ce bas monde comme tu veux, reste ici dans ce bas monde comme tu veux, 50 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, mais il faut connaître bien qu'un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Il faut connaître ça. Il faut mettre ça dans la tête. Il faut mettre ça dans la tête. Il faut mettre ça dans la tête. Dans la tête. Dans la tête. Un jour, tu vas mourir. Alors, un jour, tu vas mourir. Et tu vas aller devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut préparer c'est quoi et tu vas dire quoi devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la chose. N'oubliez pas la mort. N'oubliez pas la mort. Peut-être 50 ans, peut-être 60 ans, mais n'oubliez pas la mort. Même 200 ans, même 500 ans, n'oubliez pas la mort. N'oubliez pas la mort, c'est ça la première chose. N'oubliez pas la mort, mes frères et sœurs. Et ne pense pas que tu vas mourir quand tu es grande. Non, non, ne pense pas de ça. Ne pense pas de ça que tu vas mourir quand tu es grande. Non. عليك بتقوى الله فإنك لا تدري. Il faut beaucoup de taqwa. Il faut beaucoup de la foi, de foi. Il faut beaucoup de iman. Il faut beaucoup de iman parce que tu connais pas. Tu connais pas. عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Tu connais pas. Si maintenant, si la nuit et tu vas rester en vie dans ce bas monde jusqu'à matin, tu sais pas. Peut-être tu vas dormir et matin c'est fini. Et tu penses peut-être maintenant, et tu attends la nuit, et avant la nuit, c'est fini. Et tu ne sais pas, tu vas vivre, tu vas rester en vie la nuit jusqu'à matin, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que tu vas rester yani, matin jusqu'à soir, tu ne sais pas. Parce que Allah qui sait, seulement c'est Allah subhanahu wa ta'ala. عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. Combien de jeunes, combien des enfants, combien de jeunes, yani combien de jeunes, tu vas voir des jeunes, beaucoup beaucoup de jeunes, yani son père, sa mère, c'est très content. Yani prépare le mariage de son fils, prépare le mariage de sa fille, mais dans quelques secondes, c'est fini. La mort. Pas vu de ça? Il y a déjà qui sont déjà fait le fiancé. Beaucoup de jeunes qui sont fait fiancés, qui sont fiancés, mais avant le mariage, c'est fini. Il est mort, il est décédé. Avant le mariage, la fille s'est décédée. Où la fille s'est décédée. Pas vu de ça? Il y a déjà qui sont préparés du mariage. Sont préparés. Mais avant le mariage, c'est fini, c'est mort. Il y a des jeunes comme ça, beaucoup. Et combien de jeunes sont déjà morts? Pour combien de jeunes? Combien des enfants? Combien? On a vu tous les jours, tu vas voir maman, tu vas voir père, papa, Yanni, il est en vie ici dans le monde. Mais les enfants s'est décédés. Les enfants sont décédés, mais son père, il est en vie. Son père, il est en vie. Mais les bébés, c'est fini. Mais les enfants, c'est fini. C'est ça la vie. Ne pense pas que tu vas rester jusqu'à grande et tu vas mourir quand tu en as 80 ans, que tu en as 50 ans, que tu en as combien. Non, ne pense pas de ça. Ne pense pas de ça. La mort, c'est la mort. Petite et grand. Et grand. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغير يرجى طول عمره. Combien des enfants on pense qu'il vous sera intelligent? Combien des enfants qui on pense on a déjà voir que peut-être il va sera intelligent, il va sera bien, mais sont morts, mais c'est fini, sont morts. Tu as vu? Et وكم من كبير وسقيم يرجى موته وقد عاش زمنا من الدار. Et combien de vieilles et combien de gens maladies, avec graves maladies, on pense qu'il va décéder.
Mais après de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la santé et ils sont en vie. Ils sont en vie. Il n'y a pas de problème. Non, non, toi. Allez à l'hôpital, tu vas voir. Allez à l'hôpital, tu vas voir. Allez à la maison, tu vas voir beaucoup déjà comme ça. Tu vas voir une grande vieille et tu penses qu'il va décéder demain, mais toujours il est en vie.